vous raconter l'histoire vraie, qui ne se trouve pas dans la Bible, mais qui est la véritable histoire du blues. Because it's not meant for children, it's meant for grown-ups. Because it's not meant for children, it's meant for grown-ups. A long time ago, comme on dit en français, il y a très longtemps, un homme appelé Adam rencontra une femme appelée Ève. Et ils étaient le seul couple au monde, donc on n'avait pas de raison de croire que Ève aurait pu copifier Adam avec un autre homme, puisqu'il n'était que deux. And the blues started when Eve created Adam. I mean, when woman created man. Mais, il y avait une pomme. Et un serpent dans l'histoire. Parce que le serpent a dit « Ève, mange la pomme, mange la pomme !» Et quelqu'un d'autre avait dit à Ève « Mais non, la pomme s'est défendue !» Donc la première femme a donné l'exemple pour toutes les autres qui ont suivi pendant des millénaires. Elle a croqué la pomme. C'est que la pomme, c'était en fait le meilleur ami d'Adam. Ouais. Et le serpent dans tout ça, qu'est-ce qu'il signifie? Mais c'est le symbole du phallus. Mais un phallus qui bouge tout seul. Pas un phallus qu'il faut remonter et descendre. Il bouge et dans tous les sens en même temps. Et là naquit la peine d'Adam. Et là vint le blues.